Bonjour chers amis, alors je suis toujours pris par ma bronchite, je vais un petit peu mieux mais bon voilà, les affaires continuent, je dois continuer à voyager, je me retrouve de nouveau à Paris et je voulais juste faire part de quelque chose avec vous, quelque chose qui m'est arrivé, c'est que je paye souvent mes billets par carte bleue sur internet et on a le choix de prendre nos billets par la borne, d'avoir un e-billet ou de les prendre au guichet. Seulement voilà, avec ce voyage là, quand on va à l'étranger, il n'y a pas d'e-billet. Et la borne, il s'avère que la borne, il faut payer avec la carte bleue avec laquelle nous avons réservé avec la SNCF. Ce qui en soi est tout à fait normal. Mais ce qui se passe, c'est que ma carte est arrivée à expiration entre le moment où je paye et aujourd'hui où je voyage. Donc impossible de retirer mes billets. Panique, ce matin était très tôt, il n'y avait pas de guichet ouvert. Je reste calme. Arrivé dans le train, j'ai été voir le contrôleur qui m'a expliqué qu'il va falloir que je repaye mes billets. Donc moi, première pensée qui me vient à l'esprit, c'est la première pensée naturelle, c'est punaise, c'est un petit peu rigide ce système. Donc je me retrouve à Paris à aller chercher des billets. Et c'est bien une chose que j'ai apprise depuis longtemps, et c'est pas parce que je suis optimiste, et c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on doit tout tolérer et tout accepter. Il y a bien des choses que j'ai horreur. J'ai horreur de la médiocrité, j'ai horreur de la mauvaise foi. Et j'ai eu peur, hein, j'ai dû avoir affaire à mes propres préjugés. J'ai eu peur que je suis pas bien, j'ai pas l'esprit clair, hein, ça c'est la bronchite. Je craignais de devoir me battre contre un employé de mauvaise foi. Je me voyais déjà repayer tous mes billets, chose que j'ai dû faire. En revanche, s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est de toujours rester calme, de toujours rester courtois. Combien même l'agacement est fort, la courtoisie a toujours fait que les choses se sont toujours arrangées mieux, plus vite, même si bon, pas toujours immédiatement, mais toujours mieux. Et on est parfois tellement en colère qu'en rajoutant de la colère à la colère, on ne se rend pas compte que le problème ne se résout pas, mais il devient encore pire pour votre interlocuteur et pour vous-même. Voilà, et ça ne s'arrange pas. La courtoisie. Voilà, aujourd'hui j'ai fait preuve de courtoisie. On m'a renseigné, j'ai bien entendu dû repayer mes billets, mais au même prix, on m'a fait remplir un formulaire comme quoi mes billets de la borne allaient m'être remboursés sur mon compte en banque. Donc au fond, voilà, ça s'est très très bien passé. Je n'ai pas eu besoin de m'énerver, j'ai pas eu affaire à quelqu'un de médiocre. Voilà, donc moi aussi, j'ai mes préjugés, je me trompe, mais là où je ne me suis pas trompé, c'est que je suis resté courtois et que l'affaire s'est bien réglée. Voilà, ça c'était mon message pour aujourd'hui. Je vais prendre mon souffle, parce qu'avec la bronchite, j'ai l'impression d'avoir pris 40 ans d'un coup. Allez, je vous dis à demain. Ciao.